Et salut tout le monde, c'est Red Kill et aujourd'hui, 23ème case, avant-dernière case du coup, de ce calendrier de l'Avent. On va aller voir ce que ça donne, et pas, où est-ce que tu trouves aujourd'hui à deux jours de Noël? Ouvre-moi! Alors, si je dois t'ouvrir, tu es soit dans un cadeau, tu es soit dans une boule, tu es soit dans un cube de jouets, tu es soit dans le train bloqué à l'intérieur parce que les cheminots font grève. Où est-ce que tu es? Très d'actualité, j'avoue. Non, faut que tu m'ouvres en sens. Ah, d'accord. La fameuse porte. Ça y est. Enfin, je t'ouvre par la serrure. Ouvre-moi. En plus, j'avais déjà commencé à creuser. Salut. Bienvenue chez moi, Epa. Regarde. Malo. Regarde ce que je t'ai préparé. Qu'est-ce que c'est beau. C'est pas beau, ça? Si. Ben oui, on est là. Ah, hein. Oh, comme c'est beau. J'ai pas pollué. C'est pas vrai. T'arrives, tu jettes ta merde chez moi. Oui. J'ai fait des crottes de lapin. Alors, jour numéro... 23. 23. On remerciera mon accent qui m'a été légué par mes parents. 23. C'est parti. Wow. Pour ce jour, 23. 23, effectivement, et notre farm à melon a l'air... Ah mais non, là, c'est des citrouilles, ça a l'air de fonctionner. Par contre, je crois qu'il n'y a plus de place dans le coffre, il va falloir augmenter la taille. Alors, Epa, qu'est-ce que tu as dans ce coffre? Hop là, moi, je prends ça. Hop là. Oh, le... Ok, merci. Merci pour tout. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un drone avec ça, peut-être? Est-ce que tu veux le faire en premier ou en dernier? Ceux qui choisissent. Allez, on le fait en premier. En premier? Ok. Ouais. Vas-y, mets-moi la bite. Ouais. Vas-y. Voilà, parfait. Et c'est fini, qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est... c'est ouf comment tu sais pas masquer ta... Alors, vas-y, mets les petites... mets les petites trappes au niveau du... Les du trappes, une ici. Voilà, oui. Mets-en une ici. Ok. Oups. Vas-y, fais-moi une croix directionnelle. Ça y est. Voilà. 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 Et les tapis. Et ensuite. Exactement. Et voilà. Tu as. Tu sais, alors moi je sais que mon oncle il en avait un et je trouvais ça trop stylé. Tu sais, c'est. Là il y a une petite bougie. Ah, pas une petite bougie, une petite. Comment ça s'appelle? Ah! C'est le truc là. Il y a une ampoule. Et ça, ça tourne et ça fait du vent et... Non, ah, ah oui. J'ai vu comment ça s'appelle. D'accord, mais j'aurais pas forcément choisi du bleu, peut-être, je sais pas. Je vois plus les ailettes en brown. Ah ouais. Tu vois, ouais, ça fait plus western, ouais, bon, saloon, okay. Etc. Okay. Ok, d'accord. Okay. Super, super facile. Bon, apparemment, c'était plus simple, vu tout ce que j'ai vu dans le coffre, c'était le plus simple, ça. Tu as sûrement un truc beaucoup plus complexe. Oui, clairement, oui, c'est ce qu'il y avait de plus simple. Je vais te montrer la suite. Ici. Ah, il va falloir que on casse. Un ici. Dortoir. Ouais, bravo. Mais pas vraiment en fait. Okay. Alors, on va mettre ici. Est-ce que tu peux reboucher s'il te plaît? Ouais. Besoin de ton aide. Tac, tac, yep. Avec un piston? Nana. Avec juste un bloc comme tu as là. Je peux pas. Ah ok, tu les as remis un peu plus vers le... Plus vers le lit, parce que sinon vous pouvez pas le mettre. Voilà. Ok, hop, ok, tu rebouches des deux côtés et on a un petit sofa. Un petit sofa. Tu as ce que tu voulais. Ah alors attends, on peut faire mieux. On peut... Artout. Attends. Voilà. Top. On ici. A un canapé avec sa petite table. Est-ce que c'est pas magnifique? C'est beau. Alors attends. Et donc en noir? Ah oui, en noir ça rend aussi vachement bien. Ça rend bien, mais c'est un peu sombre quoi. Déjà qu'on a du truc noir au sol. C'est un peu sombre, mais. Ah, c'est pas grave. C'est un design. Alors bon, personnellement, je préfère celui que tu nous avais montré. Je sais plus dans quel épisode, mais celui-là est aussi sympa. Et disons qu'il est plus grand que l'autre. Oui, c'est vrai. Effectivement. Parce que ce serait pas beau. On peut ouvrir un Ikea. On va ouvrir un Ikea. Avec tous ces trucs là, mais de toutes les couleurs. Oh là là. Ah mais ça peut être une super idée de série. Ce serait énorme. On fait une série Ikea où on propose des trucs comme ça tout le temps. C'est peut-être marrant. Putain, ce serait tellement bien. Alors. Ah ouais. Alors. Alors, je te laisse aller de l'autre côté si tu veux. Voilà. C'est tout ce qu'on avait à faire. Mais je vois rien. Rien. Y a que dalle. Non, plus sérieusement. Voilà. Le ensuite, petit bas de porte. Exactement. Nous allons mettre ceci. Une cloche, il me semble. Oui. Ensuite, ce... Non, ça va pas le faire. Non, c'est pas le même qu'il faut c'est mettre. C'est pas un magasin de sextoy. Oh putain. Bah, il sera présent dans notre Ikea futur. Voilà. Ensuite, on va faire la même ici aussi. Non. Oups, voilà. Ok.
Ah oui, ça bat des ailes, vas-y, fais-le de l'autre côté. Ça bat des ailes et après ça s'envole. Ah bon? Oui. Il a pété ma cloche. Ah, je crois qu'il fallait pas ouvrir là. Il a pété ma cloche. Il fallait pas l'ouvrir. Alors elle était où? Elle était là. Oups, non. Elle était contre le... contre voilà. La touche finale. La et là, touche finale. Je suis un peu fier. Ah, yes, oui. C'est bien ce qui me semblait. Et regarde, si tu regardes là, on en voit deux sur le même écran, la version miniature. Oh putain, oui. Le con, j'ai vu. Voilà, donc en grandeur nature, c'est super simple de rendre un truc... enfin, c'est dur à faire, c'est long, mais c'est super simple pour rendre un truc vachement réaliste. Et là, pour le coup, avec un petit build-up comme ça, eh ben, ça rend tout aussi bien. Il est midi, c'est le nouvel épisode. Il est midi. C'est le nouvel épisode. On dirait un bonhomme. Oh, on va faire un build-up avec des statues. Oh, ça va bien rendre. Oh oui, oh, je le sens. Oh, ça va être... N'importe quoi. Oui, je le confirme, n'importe quoi. Allez, on se donne rendez-vous demain. Allez, on se donne rendez-vous demain. Salut à toi et pas. Midi. À la prochaine. À demain.